T'as pas besoin de faire des fautes. Il faut juste un peu plus de lucidité et de maîtrise. Mais oui, on est en colère. On est en colère parce que. Parce qu'on doit être en colère. Hein. C'est rageant faire la pression qu'on fait, travailler comme on a travaillé et pas se payer. Il faut se payer les matchs après. Après l'exception, je vois que c'est ta confiance, ça nous amène à créer beaucoup d'attentes autour de l'équipe. Ils ont été déçus. Et c'est ça que ça nous rend un peu en colère. Je crois qu'on était très bien défensivement. Mais chaque fois qu'on a eu les ballons, je crois qu'on a eu 8 ballons dans les 22 mètres, on n'a pas été précis. À des moments importants des matchs, la conquête a été irrégulière. Et l'indiscipline. Et après, je crois que les matchs ont démarré bien, on est dans la continuité, on a une confiance. Et petit à petit, la confiance a. On commence à douter, mais la discipline, je crois que c'était les gros points noirs. Bien sûr, c'est décevant. Je pense, premièrement, nous, en tant que joueurs, on aurait bien aimé mieux faire en tant que groupe et surtout de mieux démarrer. Après, ça nous freine un peu sur ce qu'on voulait faire, mais je pense que c'est le début de saison. On n'est pas encore tout à fait. Je pense qu'on est clair sur ce qu'on veut faire, mais peut-être on n'a pas encore tout à fait mis tous les moyens en place qu'on peut. Et je pense qu'il ne faut pas s'inquiéter, il faut continuer à travailler. On travaille très fort en entraînement et au bout d'un moment, ça va payer. Quel type de réaction vous attendez? Parce que moi, je crois qu'on dit on attend la réaction de l'équipe quand l'équipe ne fait pas le nécessaire. Je crois qu'en termes d'engagement, en termes d'état d'esprit, en termes de collision, en termes de. L'équipe, il n'a pas passé à côté des combats. Je crois qu'il a passé à côté de la précision d'attaque. On a passé à côté de certaines touches mêlées importantes. Mais moi, je n'attends pas une réaction de mon équipe. Moi, j'attends qu'on gagne le match, qu'on soit plus précis plutôt. Qu'une réaction. La réaction, c'est quand. C'était très mal, très mauvais, et on va réagir. Et je crois que ce n'a pas été aussi mauvais que ça quand on revoit les matchs, mais on n'a pas été précis. On a perdu 11 ballons dans les camps de. On a fait 17 fautes. Oui, j'attends qu'on soit plus discipliné. J'attends qu'on soit capable d'enchaîner 2-3 temps de jeu sans perdre les ballons. Mais je n'attends pas une réaction en termes d'état d'esprit, parce que notre état d'esprit est bon. Et notre engagement il est bon, notre combat il est bon, notre investissement il est bon. Entonces, oui, il nous manque plus de précision. Je suis d'accord avec vous. Oui, il faut qu'on soit plus discipliné. Oui, il faut qu'on. Mais je ne sais pas si c'est une réaction ça. C'est juste améliorer ce qui n'a pas trop marché plutôt qu'une réaction. Ce n'était pas tout à jeter, je pense. Après, bien sûr, on veut bien faire. Après, la mêlée, c'est comme je dis, c'est. Aussi une façon d'habitude, là on avait des garçons qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler ensemble, on a des points à régler tous, moi aussi, tout le groupe, et je pense qu'on a bien travaillé dessus et à nous de se rattraper. Comme les autres. Nous on est revanchard, on est physique. Ça va être revanchard physique contre revanchard physique. Et dans ces contextes-là, il va falloir être lucide, il va falloir avoir de la précision, il va falloir être de l'efficacité. Mais nous, non, on est deux équipes dans le même état d'esprit. Hein. Eux, ils vont se poser la même question que nous, on se pose. Ils sont revanchards, oui, nous aussi. Ouais. Ils sont physiques, nous aussi, on est physiques. Ils sont à très bonne défense, et nous aussi. Après, je pense au React, c'est toujours un obstacle difficile à franchir, surtout chez eux. Eux, ils se basent sur une grosse coquette, une grosse défense et un gros combat. Après, ils sont des joueurs qui peuvent aussi très bien jouer au rugby. Du coup, ça va être, comme je dis, un obstacle à franchir. Je pense que ça va jouer sur la conquête aussi, de reprendre présence sur ce secteur parce qu'Auréac c'est une équipe qui se base beaucoup là-dessus. Et après c'est le combat.